Voilà le chef-d'œuvre de Sissoko. Donc, c'est un apprenti en deuxième année. Donc là, il a terminé sa formation. Et là, il a terminé donc son ouvrage qui va lui permettre d'avoir son examen, le CAP. Voilà. Donc, il a posé des parpaings, il a fait des arases, il a fait du coffrage et il a fait un enduit décoratif. Voilà. Donc, l'enduit décoratif s'est fait à base de chaux, de sable fin, un colorant. Et c'est un projeté qui a été fait avec une tyrolienne. Voilà. Donc, il faut faire un grain de manière régulière. Il faut le projeter. Il faut surtout éviter de salir. Donc, il faut tout protéger. Et surtout, à cet endroit-là, cette arête, il faut la protéger. Donc, il faut tenir des planches. Enfin, c'est tout un... toute une organisation. Voilà. Est-ce que tu trouves ce travail propre pour un apprenti? Voilà. Dis-moi-le dans les commentaires.